Vini, ou bien un technicien qui a venu, qui est expert en calcul, qui a venu et contrôler et mini barrage qui a fait dans la rivière Massacre, pardon, ou bien qui a venu contrôler le canal là, et puis et vitesse pour le contrôler, ça l'a contrôlé. Diplomate, est-ce qu'il a une compétence pour évaluer le canal là? Si c'est un technicien, à qui est-ce qu'il veut rencontrer? Donc, l'OEA va venir, qui ça va dire? Qui va dire, est-ce que le canal là manqué, pantan manqué, est-ce que Paro a maltraité, est-ce que Kobio fait suivant les règles là, est-ce que barrage et possibilité pour le renverser grand, est-ce que traitement belge fait, est-ce que c'est ça la vie demandé? Non. Dans le cadre, ça a demandé OEA, côté le TIE, la République Dominicaine, t'as fait 11 prises par lieu. Est-ce que c'est même logique là, problème Israël-Palestine? L'autre attaque l'autre, c'est l'autre qui est coupable, l'autre pas coupable. Donc, moi-même, pour nous-mêmes, et présence OEA a béni comme une possibilité pour dire est-ce que la banon a pris technique et a pris financier pour nous, est-ce qu'on a fait d'autres prises? C'est ça, oui. Est-ce que qu'on y a la dit bon, effectivement, 3000 hectares de terre pas suffisant pour population, pour nous pour faire et manger pour monde et nord-est, pour monde nord, pour monde et plateau central, pour monde nord-ouest, en nous font façon pour plus de 10 000 hectares de terre là pour l'arrivée et gagner plusieurs canaux dont 3 minimum qui capable de permettre non irriguer et différentes et hectares de terre que nous gagnons dans zone. On même pas m'parle que présence et OEA comme présence mon cabine évaluer, est-ce que c'est diplomate là pas qu'à évaluer technicien faut le rencontrer dit qui monde qui fait calcul là pour prendre rendez-vous à monde pour monde capable dire suivant qui nomme il va calculer pour dire ça pas bon non. Donc c'est une personne visite d'amitié pour porter solidarité là après haïtien hein, pour dire mais non gain longtemps n'a pas humiliation dans la République Dominicaine, l'est arrivé pour finalement nous prendre des scènes en main et qu'il lui encourage à continuer. Moi, je c'est ça, je m'attends dans la main OEA. Il y a des gens qui ont fait quoi? L'OEA va venir là pour venir prendre parti pour Haïti. Et il y a des gens qui fait quoi? Il a déjà pris une décision, déjà, c'est pour Dominicaine. La première pour t'as dit, quand le canal là? Bon, gros bagaille. Le monde, faut que nous commençons à comprendre. Souvent des États-Unis et la France entre Israël et Palestine pour qui est-ce la prend. C'est même logiquement, souvent des OEA entre Saint-Domingue et Haïti, qui est-ce qui est intéressé? Tout le monde a besoin de Saint-Domingue. Même si Saint-Domingue massacre combien Haïtiens, ça passe comme on l'est à la poste. Si Haïtien a tué 3 Dominicains, on obtient des massacres. Donc c'est même bagaille. Il faut que vous compreniez logiquement de là, je veux dire. Donc, vous constatez, 3-4 diplomates qui côté aujourd'hui en République Dominicaine. Ils ont dit ces amis non, pour qu'ils ne soient pas aidés non résoudre le problème non. Pour qu'ils soient quittés le problème non pourri, jusqu'à ce qu'ils même installé en République Dominicaine, ils ont un appartement en République Dominicaine, ils ont un business en République Dominicaine, toute activité a fait en République Dominicaine. C'est G1G qui fait ambassade américaine pas dit pour notre visa en République Dominicaine. C'est Jérôme Dieu qui fait ambassade Canada pas dit pour tout haïtien au Canada pour prendre humiliation pour prendre visa. Donc tout le monde comprend la réalité aujourd'hui. Haïti n'est pas des amis, Haïti est des gens qui exploitent. Et malheureusement pour nous, il y a toujours joué des restes avec qui pour jouer au rôle, qui pour faire, pour servir avec eux, pour dire c'est notre incapable, c'est pas faute. Mais le monde entier aujourd'hui comprend la réalité et ça va perdre la réalité, le comportement de grande puissance, notamment Occident. Pas d'aucun bail qui est étranger et la donne. Donc après, si vous avez un problème, 11 prises Saint-Domingue, c'est normal, mais un prise haïtien, c'est un problème. Ce qui prétexte, vous avez dit non, canal non a porté préjudice à Rivière Massacre. Ce qui prétexte, vous avez dit non, ça. Ce qui norme, ce qui ça canal là a porté préjudice à Belle. Donc, vous entendez, à part Saint-Domingue, vivez là, l'idée la vie de loin, vous entendez l'OEA, dit le Valga, dit le Boué, pour ça. Outre des gains, instances internationales, l'ONU et OEA, l'autre prend des mesures, conduit, quitter le bloqué de droit, la capacité de bloquer le droit, il y a dit ok. Je ne vais pas dire rien, non?
mais qui est nous même nous dit n'a bloqué côté nous ou après tout le sens international yo puis et terroriste qui va attaquer nous donc c'est ça lui. Ça veut dire là déjà Loya mal venu dans de ce canal. On pourrait pas gagner pour monde Loya bienvenu et même les Loya viennent en faveur nous n'a prononcé un bagage hypocrite. Donc comme dit nous si on t'a fait pour nous nous pas arriver dans l'état ça. Et quand Haïti arrive là, tout le monde a dit que c'est Haïti qui est responsable. Il est très, très facile pour espérer rester avec eux, dit que c'est nous qui sommes responsables. Nous responsables de qui ça? Pas qu'à créer un travail pour les jeunes. C'est nous-mêmes qui verrouillons l'administration publique. Ce n'est pas eux-mêmes qui viennent entrer dans l'administration à partir des ministères des Finances, ministère de planification. Ils ont détruit tout le système d'administration. Je veux dire aucun emploi pas qu'à créer, c'est pas eux-mêmes seuls. Ce n'est pas eux-mêmes qui imposent les problèmes salaires à partir des ministères de finances, ce n'est pas eux-mêmes qui font. Et taper là, ils n'ont pas au point de débit. Ce n'est pas eux-mêmes qui fixent le salaire et la meilleure et qui fait, je dis, on ne peut pas croire, les policiers, disons mieux, et puis c'est lui qui fait, un police agent 2 a touché moins que 31 000 gouttes, qui va même voter 150 dollars américains. Donc c'est eux-mêmes. Donc, si bagala bien marché, c'est pas haïtien, c'est yo. L'el mal marché, c'est pas yo, c'est haïtien. Octobre 2023, conférence pour la presse. Nous, plusieurs organisations de base dans Kafoufeil, RAD, ACDEL, REFA, RAFSA, coordination REP Kafoufeil, MOFEC, Kafoufeil connecté, faisons celle avec vision de Salénienne pour une Haïti prospère, PDHP. Profite une autre fois encore, saluer la presse parler, écrit, télévisé, avec presse en ligne yo. Et dis-nous merci pour si pour nous toujours porter la bataille contre l'insécurité. La raison qui fait nous là aujourd'hui, c'est pour nous dénoncer une autre fois encore volonté gouvernement Ariel Henry à manifester pour qu'il nous dans l'arrière toujours. Ça fait 2 mois à quelques jours, depuis terroriste Grand Avignon, tous les familles nous. Boulet, pillé, caille, nous mêmes animaux pas épargnés. Et pour aller tout ça, rejoindre sous route, en bagé pour voir en place là. Pour le moment, on a parlé là. Il y a environ 60 000 personnes qui sont dans la rue. 60 personnes mourent. Il y a 15 personnes qui disparaissent. 350 cailles brûlées. 4 écoles brûlées. 20 endommagées. Même une autre condamnation, le gouvernement Ariel Henry n'a pas voyé. Voir pour t'apporter solidarité avec nous. Si vraiment le gouvernement a une volonté pour retirer nous dans la rue, il a appliqué la proposition de plusieurs organisations Kafoufeil pour mettre fin à ce problème ça. Pour faciliter tout le monde retourner la caillou sans qu'il soit sorti, nous demandons au gouvernement 1. Pour la police nationale la reprendre le contrôle du commissariat savant de pistache là avec plusieurs unités spécialisées et mettre patrouille policiers dans toute zone là. 2. Nous demandons réparation sous station électrique ça est une façon pour rétablir le courant dans toute zone là. 3. Nous demandons une assistance économique pour réparation caille qui brûle. 4. Nous demandons un accompagnement économique pour les entreprises qui sont victimes dans la zone là. 5. Nous demandons au gouvernement de mettre sous pied un programme d'assainissement dans la zone là qui frappe dans la zone là qui frappe dans zone qui frappe une façon pour la population caille retourner vivre dans un environnement propre. 6. Nous demandons au gouvernement de réouvrir la porte de l'hôpital sanatorium pour éviter la population contaminée à un qui a quitté l'hôpital là avant l'heure. 7. Nous demandons au ministre de l'Éducation nationale, M. Nesmi Maniga, de faire tout ça qui est capable pour toute l'école qui est endommagée au bénéfice du ministère pour réparation. 8. Nous demandons au ministère de l'Éducation nationale, M. Nesmi Maniga, pour payer 5 années d'école pour parents élèves qui sont victimes d'un gros drame ça. 9. Nous demandons justice et préparation pour tout le monde qui est victime d'un massacre sans pareil ça, et spécialement pour pas un monde qui mourir. Vive Haïti à bas insécurité, car vous faites pas paix. Merci. L'organisation Salo, nous espérons deuxième crise que nous faisons devant Dieu, communauté nationale. Là. International là, par rapport à conditions, à situation et foi humaine
pense ou communauté qui a fait là à vivre, je ne veux dire, depuis environ un mois et demi, pas deux mois. Nous estimons que le gouvernement haïtien ainsi que l'organisme de droits humains, ils ont gagné responsabilité, ils ont gagné engagement pour que ils ont fait un ensemble d'interventions pour encadrer la population et qui est capable de permettre que ils retournent à vivre dans la communauté côté où ils évoluent. Et étant donné que deux mois après l'événement ça, je dis à moi un point que monsieur yo, en fonction de l'intérêt que vous avez gagné, qui fait que vous êtes capable de théoriser la population de la façon dont vous avez fait là, qui te permet que tout le monde soit obligé de craser et briser, etc. Et permettre que vous êtes obligé de quitter la communauté. Je dis à, et ouvertement, monsieur yo dit que le tempo, et nous ne connaissons pas, est-ce qu'ils sont conscients de la situation, c'est à faire pas bon. Et est-ce qu'ils sont conscients que les Haïtiens, ils ont tout, qu'ils ne sont pas obligés à terroriser des gens qui ont même intérêt avec eux, des gens qui semblent avec eux, des gens qui ont évolué dans la même communauté ensemble avec eux. Est-ce qu'ils sont prises de conscience? Nous ne connaissons pas. Mais de toute façon, je dis à monsieur, dis ça ouvertement, le tempo. Et nous croyons que l'État haïtien a une obligation pour que les réparer tout ensemble des dégâts qui passaient. Parce que l'État est là pour empêcher la catastrophe d'arriver dans la communauté. C'est responsabilité de l'État, parce que l'État est là pour protéger tous les citoyens dans le cap évolué en d'un pays et plus précisément dans chaque communauté différente. Malheureusement, l'État n'a pas fait ça. Pour qui c'est au pas de faire? Nous ne connaissons pas. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas gagné, nous sommes capables de dire, parce qu'il n'y a pas les jeudi à deux, une question de faiblesse de l'État? Est-ce que c'est parce qu'ils sont faibles, ils ne préoccupent pas tout ensemble de problèmes, ils n'ont pas de cagette et agissent sur le problème ça à temps pour empêcher que c'est comme ça que le passé a toute perte de vie humaine, ça a perte de vie matérielle, etc. Nous croyons que jeudi à ça qui est important pour nous. En deux communautés, et qu'à vous faire là, c'est aider Mounio rejoindre la communauté A avec tout ensemble de revendications et que ils ont mis en saute li dans la lecture là, dans le texte là, parce que Mounio pas qu'à retourner même genre. Nous comprenons que l'équipe qui a évolué, la population qui a évolué dans la communauté, forme intervention brutale ça a fait. Ils ont théorisé tout le monde dans la communauté A. Quand ils brûlent, ils ont perdu toute sa sécurité en termes de ressources et économiques, ressources matérielles. Et je dis, ah, c'est dans la rue qu'ils ont dormi. Alors nous croyons que ça, ça va être directement revient à l'État pour que les portes encadrement, pas les gens qui sont capables de permettre que les gens rejoignent les communautés pour continuer.